si j'ai trouvé le stylo. On ne peut pas commencer parce que... Ah, vas-y, on ne peut pas commencer. Ah, attends. Ça, petit. Ici, taille crayon. Taille crayon, taille crayon. Crayon, scotch, gomme, colle. Wow. C'est bon la colle, non? Oui. Surligneur. Ça dépend de lesquels, ça va aller. Ah, parce que c'est pas tout pareil. D'accord. Ok, on est parti. Est-ce que tout le monde a son sac? Oui. Toi, t'as pas vérifié, tu dis oui. Ok. Bonjour, ça y est, on a enfin fini tout préparer. Ma fille est passée derrière la caméra. On va voir ce qu'il nous faut pour chaque personne dans chaque sac. Bien sûr, tout ce qui est collège, eh ben, ça restera dans la chambre et pas dans le sac. Mais en attendant, on va trier pour que chacun ait ce qu'il lui faut dans sa chambre. Alors, on va commencer par le CE1. Le CE1. La personne qui concerne le CE1, bienvenue. Ok, mademoiselle, oui. Il me faut stylo bleu, stylo vert, stylo rouge. Cherche-moi tout ça. Tu prends quelque chose qui compte. On fait... Camille et toi ensemble, ok? Ok, mais Camille n'est pas là. Un pour toi, un pour Camille. Un pour toi, vert. Un Camille, vert, rouge et rouge. Ok. Vous voulez? Moi, j'ai pas de réserve, hein. Bon, on fait pas de réserve. Ok, il me faut crayon de papier. Toi. Crayon de papier. Ah, c'est la chasse au trésor. Où se trouvent les crayons de papier? Oui, des trousses, c'est bien. Et la trousse à Camille, elle est où? Bah, elle est dans... Non, ce n'est pas un crayon de papier, il y en a un, mais c'est pas ça. Regarde autour de la... Ah! Bon, bah, ça part en chasse au trésor. Ok, alors, on a dit un chacun. Moi, je vais vous en mettre deux quand même. Hop. Hop, on verra s'il nous faut une réserve. On n'a pas besoin de réserve ou quoi? Pour l'instant, c'est pas dit. Ciseaux! Alors, ciseaux, ça va chercher dans la maison. Ou alors, t'avais ta trousse, non? Il est où ton sac d'école? Il est là, ton sac d'école. Oui. Bah, il n'y a rien dedans. Donc, stylo, c'est fait. Crayon de papier, c'est fait. Vous avez dit ciseaux? Ciseaux. Il nous faut deux paires de ciseaux. Super. Ciseaux. Ciseaux, on réutilise les mêmes que l'année dernière. On fait des économies. Et les trousses de monsieur. Donc, ciseaux, c'est bon. T'es prête, Lila? Oui. De la colle. Super. Bah, il était à côté. Ouais. Bah, tu sais qu'avec moi... Hein... Oui, t'as perdu les lunettes en vacances, merci. C'est vrai, c'est bien de le rappeler pour que tout le monde le sache. La colle, on va en mettre deux parce que vous mangez ça comme du petit pain. Après, règles. Règles. Ah. Super, donne. C'est les vôtres? Mais je suis pas sûre. Non, les vôtres, elles doivent être rangées. Ah non, c'est ceux-là, les vôtres. Tiens, tu vois, il y en a là, t'as rangé n'importe comment. J'ai rangé n'importe comment. T'as rangé n'importe comment. Oula! Quoi? Eh, hey, c'est de la pouille, hein. Montre. Pardon, pardon. Bon, oh, ça. Vous avez pas besoin. On range pour une année. On vient. Hop, on va reprendre une ici. Ça, c'est maman, la casse avant. Mais attends que je... Maman, ça me prend trop. T'as bon goût, t'as bon goût. Ok, règle.
Non, j'ai pas un nouveau. On est OK pour les règles. J'ai quelques petites règles. Laissez à la maison celui-là. D'accord. Taille crayon. Taille crayon. Le turquoise, il est à moi. Alors, c'est celui-là, Camille? Oui. OK. Hop, Lila, c'est le rose et Camille, c'est le bleu, c'est ça? Okay. Ou c'est l'inverse? Moi, c'est rose. Hein. Mmh. Gomme. Tu peux poser le taille crayon? Merci. Gomme. Gomme. Waouh. Je n'avais même pas vu. Moi aussi. Une gomme pour mademoiselle, une gomme pour monsieur. Hop, hormis là, ça servira pour les autres. Tiens, ça aussi, d'ailleurs, on va le remettre. Ça servira. Maman. Un surligneur. Un surligneur? Ouais. On va être quoi? On va être dans le dedans? Là, peut-être, oui. Maman, je peux ça, ça aussi, un ouais. C'est cela, là, Momo, alors? Bon, alors, si c'est cela, les vôtres, on va prendre cela. Les miens, ils sont réservés. Lila, je suppose que tu prends le jaune? Oui. Je veux pas le rose. Jaune. Tu veux pas le rose? Bah, je prends le rose. Tu veux quelle couleur? Il me disait. Et Camille, on va lui mettre quoi? Du jaune, c'est sa couleur. Jaune. D'accord. C'est jaune. Oui. Je sais que Camille, c'est côté jaune. Ok. Et moi, c'est côté bonbon. Crayon de couleur. Crayon de couleur. Il en faut deux boîtes. Une pour toi, une pour ton frère. Parce que le frère est en vacances chez Pépé Mamie. Oui. Feutre. Merci. Il manque pas une boîte de feutre, là? Là. Et Abby? Bah, attends, je peux partir, c'est un peu parti. Je ne sais pas. On va voir. Ok. Alors, un cahier de texte. Le cahier de texte de Lila. Moi et Camille, c'est. Ok. Camille, on sait déjà. Un bon fou. Oh, bah oui. Tu sais, je ne sais même pas si on le voit vraiment. Ah oui, là, là, c'est sûr qu'on va te voir. Mais attends, j'enlève le prix. Oui. Trois petits cahiers. Trois. Alors. Prendre les ciseaux. Trois petits cahiers. C'est quoi? Un petit cahier, tu sais pas ce que c'est? Ah si! Comme le cahier jaune, le cahier vert. Où sont les petits cahiers? C'est petit ça? Petit. Oh, des immenses cahiers qui font la taille de ma tête. Merci. De rien. Hop, on va enlever le film. Il faudrait que tu me donnes l'autre. L'autre paquet, Lila. L'autre paquet aussi. Pourquoi? Parce qu'il vous en faut trois chacun. Ah non, mais dans ma chambre, j'ai un cahier. Oh, t'as arraché le cahier? Oui, j'ai arraché le cahier. Oh, pauvre de moi, j'ai arraché le cahier. Donc, c'est on a quelle couleur là? On a du vert? Non, du rouge. Donc. Alors, Camille, il a les bleus. Camille, il adore le rouge. Ah ouais? Ouais, Camille, c'est... Bon. Je connais pas mes enfants. Alors Camille, il a le rouge, toi t'as le bleu. Ok? Moi j'en aurais besoin des petits cahiers? Non, je ne crois pas. Ah parce que si j'en ai besoin, je prends du bleu. Et Camille, ça devient bleu. Et c'est... hop. Maman, Camille, tu peux mettre du bleu? Hein? Non mais au moins comme ça, c'est chacun sa couleur. Ardoise et feu de Véleda. Si tu les trouves pas là, il y a un problème ma chérie. Super, on enlève. Bah, tu sais qu'avec toi, mademoiselle, hein. Attends, t'es bien trop pressée. Maman, qu'est-ce que tu m'as fait du vert, du noir, du rouge? Ok. Pourquoi il y a du violet? Une pochette élastique, trois rabats. Trois rabats? Alors, elle n'est pas sur la table. Non, elle n'y est pas. Il faut aller prendre les anciennes de l'année dernière. Camille, il en a une, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et la tienne, Lila, elle est où? Maman, tu ne vois pas. Moi, j'en ai une dans ma chambre. Les M&M, c'est une pochette plastique?
à toi. Ça, c'est à Camille. On peut reprends. Y aller, Lila. Tu me donnes ta pochette, s'il te plaît. Allez. Et pose l'oiseau de Camille. Alors. Ok. Lila, dernière chose à chercher. Venga, qui? Un porte-vue de 60 ou 80 pages. Oh, alors ça. Non. 60 ou 80. Un porte-vue de 80 pages. 80. 60 ? 80. Ça, c'est Camille. Camille. Monsieur Camille. Et toi ? Madame Lila. Madame Lila. Le violet, il est à Momo. Pourquoi le violet, il est à Momo ? C'est toi qui l'avais pris au magasin. Mais il y en a un autre. Mais l'autre, il est à moi. Oh, ça suffit. Lila, t'avais plus du orange. Ok. Non. Lila, tu mets toutes tes affaires dans ton sac, s'il te plaît. Ah oui, donne ta pochette là. Alors, on va utiliser les sacs de l'année dernière. On a juste changé la coque. Mademoiselle. Oui. On passe à ton frère ou à toi ? Moi. Ok. La plus belle sixième. En avant. Sixième. Oui. Trousse. Oui, ta trousse. Alors, ma trousse a eu un différent problème qui s'est envolé. Voilà. Ok, c'est pas la trousse rose qu'il y a dans le bureau ? Qui va devoir ranger après. On va y aller tout de suite. Alors, une trousse. Une belle transparente. C'est ta trousse de matériel. Hein. Stylo et tout. Oui, alors. D'accord. Crayon de papier. Bah non, tu t'es loupé. Crayon de papier. Et ouais. Alors, tiens. Bah déjà, on va finir les anciens. Vas-y. Comme ça, tu vas toutes les casser. Mais alors, je t'en mets trois. Non, je t'en mets que deux. D'accord ? Oui. Voilà. Ok. Stylo. On va finir ça ? Ouais. Ah non, les amis, tu le stock. Pas besoin de reprendre un papier alors que tu me demandes les stylos qui sont juste sous tes yeux. Et le stylo qui a de couleur, là, le rose avec les fleurs, il est où ? Quel rose ? J'sais celui pas. Que je t'avais passé la dernière. Je sais pas moi. Ok. Non, tu m'avais pas passé celui-là, tu m'avais passé un bleu transparent. Non, je t'avais passé aussi un doré rose gold là. Je l'ai perdu. Ah, super. Mais il y a des voleurs. Tu peux juste me donner s'il te plaît, pas le lancer. Il faut un stylo vert ? Oui, noir et vert. Oh, tu me fatigues. Hein. À tous les pickpockets de stylos de couleur qui regardent. Ciseaux. Arrêtez de voler. Les ciseaux, alors. Je sais pas où ils sont. Ah si, j'en ai. Ça va plus, c'est bon. Dernière fois que tu lances. Et un stylo 4 couleurs ? Ah, j'ai cru que c'était à moi. Déjà ton sac. Le plus beau sac de l'univers. Voilà, mademoiselle a voulu changer de sac alors que son sac avait un an et demi. Elle m'a cassé son sac en mai CM1. Waouh! Merci. Nous avons donc pris un espace, le même que ses deux copines avec qui elle est dans la même classe. Ouais! Comme ça, si elle confond son sac, tant pis pour c'est moi. C'est génial. Alors? Mon ciseau, il est parti là. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord.
Toi, tu vas partir bientôt en Amérique du Nord. Donc, la règle, dans le sac, porte-moi toi, petite. Ouais. Tes affaires, tu les rangeras dans ta chambre. Hé bah, toi, t'as pas besoin du sac comme les petits. À combien tu fais une vidéo où tu ranges la chambre? Hein? 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 À... 50 likes. 50 likes sur cette vidéo, je range ta chambre. Bon courage. À toi. La gomme. À un moment donné, je me suis juste... T'as dû l'acheter à la poubelle, en fait. La colle. Mais... La colle. Et n'oublie pas, on finit ce qui est ouvert. Merci. Je t'en mets deux, ça part vite. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Une pochette à élastique. Alors il n'y a pas beaucoup de choix. Oui. Je prends la manche abîmée. Trois abîmées. La bleue, elle est bien. Trop moche. Elle est bien, donne la bleue. Attends, il y a quelque chose. Bien. Il me faut des feuilles simples. Des feuilles simples, c'est quoi? Des feuilles à carreaux? Ouais. T'en avais normalement, il t'en restait dans ta chambre. Mm-hmm. J'en ai dans le bureau. Non, j'en ai là. Ah, voilà. Ça fait depuis 2 ans que j'utilise ce paquet. Bah, tu vois, ça sert. Donc, on va en mettre juste un petit peu dedans. Et ça, ça sera pour la vie de classe. C'est quoi la vie de classe? Vous allez faire les réunions pour les délégués. Vous allez faire les réunions avant les conseils pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. En CE1, j'ai déjà été... Non. Anglais, un cahier grand format, grand carreau. Oui. Merci. Donc, ça, ça sera anglais, mademoiselle. Tu peux choisir la couleur? Allez, je vais être une maman trop cool, tu vas choisir ta couleur. T'as orange, marron, vert, rouge, bleu. Bleu. Il y a une poubelle à côté de toi. Un petit cahier de brouillon pour l'anglais. Ça serait bien que tu prennes la même couleur. De qui? Que le bleu, vu qu'on reste en anglais. Il est où le cahier bleu? Parce qu'il y avait deux bleus. Mon cahier, mon sac, il est tout bleu. Feutre. Alors. Bah, je me demande quel feutre je vais prendre. Peut-être ceux qui sont dans la main. Je te mets tes feutres dans l'autre trousse. Ouais. Bah, donne. Tu vas pas les mettre. Tu sais où je pourrais les mettre? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ok. Art plastique, les feuilles de dessin. On ne les a pas achetées. Si, on les a achetées. Je les ai vues déjà. Par contre, la calculatrice, on n'a pas besoin de cette année. Pourquoi? C'est 4e. Donne les feuilles de dessin. Merci. J'aurais pas dû. Et Mandali, il en a une? Oui. Et prendra la mienne ou pas? Non, il y a la sienne. Les petits tubes de peinture. Alors, je ne sais pas les... Quel que je vais prendre? Bon, moi je vais m'asseoir parce que ça commence à être agaçant.
Voilà. Merci, mademoiselle. Je ne les sors pas. Tu les prends que quand tu as un plastique. Ok. Parce que maman les a mis dans sa trousse, il m'en a mis partout. Donc tu les sors pas. C'est juste quand c'est un plastique. Deux feutres noirs. Enfin, feutres noirs, tu sais, les crayons de feutre là. Elle veut pas montrer sa tête, alors je ne sais même pas ce qu'elle me fait derrière. Voilà, c'est bien. Enlève le truc. Hop, tu vois. À ma droite, le sac poubelle. À ma gauche, le cartable. Super. Tu peux me donner un ciseau? Ou tu préfères l'ouvrir toi-même? Comme tu veux. Arrête de lancer les affaires. Merci. De rien. Ok. Combien? Iki. Deux. Un, deux. Alors, le scotch. Alors, je ne sais pas lequel prendre. C'est lui qui scotche mieux la bouche. Il est même pas dit, je cherche. Ah. Je prends celui-là ou celui-là? Comme tu veux. Ok. Attends, c'est pas les mêmes. Pourquoi c'est pas les mêmes? Celui-là, il n'est pas transparent. Les deux, c'est les mêmes. Mais non! C'est les mêmes, c'est qu'une marque. Oh, possible ça. Et ça, c'est quelle marque? Scotch. Ah. Et l'autre, c'est Carrefour. Bon, on s'en fiche, tant que c'est pas cher. Ok, plastique, on a fini. Okay. Donc, sport, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir le maillot de bain dans le sac tout de suite maintenant. Si, on met. Français! Français. Ils sont classe. Je sais pourquoi vous rigolez. Ok, les intercalaires on les a. Donc français classeur c'est bon. Intercalaire c'est bon. Pochette il y en a déjà dedans. Copie double et copie simple. C'est quoi copie double et copie simple? Copie simple, c'est ça. Et il faut que tu choisisses combien? Deux surligneurs. Oh non! Je peux pas en prendre un peu. Hein. Deux. Alors, voilà la bijou des pieds qu'on attend dans toute la récré. Dans toute la vidéo. Les bijoux. J'étais obligée de le faire. Oui, t'étais obligée. C'est comme les miens, t'étais obligée de me les perdre ou perdre les boutons pendant les vacances. T'en as pas assez? Tu veux qu'on les montre? Bah, les principaux que je prends, tu me perds les trucs. Et je te mets un paquet de copies doubles. L'image à l'intérieur, elle est trop belle. Ah oui. Ah, tu m'entends quand je te parle? Hein, non. Poubelle. Je fais pas attention. Non, pas poubelle. Quoi, poubelle? Un paquet de copies doubles. Tu me fais dire n'importe quoi. Je peux choisir plusieurs. Deux. Trois. Un, deux. Quatre, quatre. Non. Tout. Non. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça suffit. Un, deux. Français, c'est bon. Copie double, c'est mais bon. Mais les autres, je peux les mettre dans ma trousse? On s'en fout des autres. Je ne mets pas dans ta trousse. Alors, je vais prendre le violet et le... Alors. Le. Et le rose. Un, un. Un, un. Tu envoies un, un. Mais non, c'est dans la trousse... Good. Tu vois, la meilleure. Oh. C'est pas moi. Il y a des tremblements de terre à la maison. Maman. Ok, surligneur, c'est bon. Mademoiselle. On passe à l'histoire. Pouvez-vous me donner ma trousse de feutre? Tan tan. Non. Histoire. C'est quoi une histoire? Deux grands cahiers. Grands carreaux. Non. Si. Pourquoi? Mais je veux que ça soit... Même. Je veux que je aille. Oh.
Deux cahiers histoire. Attends, slow. Tu prends quelle couleur en histoire? Rose. Parce que ça me fait penser à de l'avenir. Crayon de couleur, ils sont déjà dedans. Non, crayon de couleur. It's my name is. Mais t'as tout mis en bordel. Enfoui. Enfoui. Non. Alors, où ils sont-ils? Ah, ils sont là. Tu les lances pas, ça casse. Merci. Maman? Oui. Après, copie double. Ça, c'est les contrôles. De toute façon, ça sera dans la pochette de vie de classe. Pochette de surligneur. Quoi? Pochette de surligneur. C'est quoi une pochette? Plusieurs surligneurs. Ah! Et j'ai mis où? Dans la trousse de feutre. Alors. Il n'y en a pas beaucoup, je te jure. C'est même pas lancé, toi. Et après ça, t'as fait du basket? Je veux dire, tu vas aller chercher. Mais je voulais le faire dans ta tête. Lila? Lila? Non, pas celui-là, il est pas à toi, t'en as pas un autre? Mais il est tombé par terre! Le souligneur de. Voilà, merci mon petit chat. Tu peux venir à côté de moi? Je veux te dire un secret avec le téléphone! Avec le téléphone! Je vais te montrer une vidéo. On était où en histoire? Ok. Math? Oui, Math. Trois grands cahiers, petits carreaux. Lila? Tu peux aller attendre ton tour, s'il te plaît. Merci. T'as voulu m'avoir? Bah non, je t'ai dit petit carreau. Oui, mais t'as cru que j'allais prendre les autres. Mais non. Encore heureux que tu connais ce petit. Mais donne, je vais ouvrir. Tour. Tu veux quelle couleur? Quelle couleur tu veux? C'est pour toi. Hein? C'est pour toi, c'est toi qui choisis. Et on en a besoin de combien? Trois. Bon bah alors j'aurais pas la même couleur. Ça serait bien que tu prennes pas bleu ou rouge. Bah que c'est deux couleurs. Tu veux quoi de plus? On a du beau rouge. On a du beau bleu. On a du beau rouge. Bon, bah c'est bon. Bah, on a du beau bleu. Je t'achèterai des protège-cahiers. Quelle couleur? Vas-y. Le tremblement de terre. Je prends quand même le même cahier. Fais ce que tu veux. Mais! C'est pas grave, j'achèterai des protège-cahiers. Comme ça sera tout de la même couleur. Élastique. Spider-Man. Équerre. J'arrive. C'est pas les mêmes? Irène. Oh, celle-là. Un petit. Irène. Merci. Équerre, rapporteur. Bah. Ou pas. Je te laisse le petit crayon dessus. Transparent. Non, faites le rose. Non. Ok, physique, on a SVT, porte-vue. Combien? Pareil, sans dents. Blue.
vas prendre le rose, oui, tu vas pas laisser le rose à ton frère. Mais prends le transparent alors. Donne le transparent à mon frère. Bah pourquoi, mais ça lui va très bien. Techno, un petit porte-vue. Dali, il aura quoi? L'autre. Je vais bien prendre le verre. Et non, le porte-vue, tu l'auras aussi. Non, tu n'auras pas le bleu. Pourquoi? Tu auras le transparent parce que tu as déjà un porte-vue bleu. Montre. Voilà. Ok, clé USB, normalement elle est dans la cuisine. La clé USB est tout à fait mon style. Elle est pailletée, elle est rose, elle est arc-en-ciel. Non, elle est... mais elle voulait une clé USB avec un petit chat ou un machin comme ça. C'était une patte de chat, elle coûtait 6 euros. Ouais, et le petit cœur ou le truc violet là, tu prends une clé USB normale. En plus, elle avait 32 go. Non, pas du tout. Si? Oui, bah j'ai déjà acheté. La tienne, elle est bien, elle est pratique, elle est super. Elle est moche. Elle est super. Ouais. Je l'aime. Comme ça, regarde. Hop. Attends, montre. Un petit truc là. Regarde. Mais je vais essayer. Regarde. Tu pousses. Bah, c'est trop bien, c'est la meilleure classe de du monde. Je vous voyez dans la trousse. Ouais. Tout de suite, poubelle. Hein. Ok. C'est bon. Finito? Et mais on n'a pas pris mon taille-crayon? Parce qu'ils n'ont pas demandé. Mais alors pourquoi on en a acheté un? Bah parce que pour moi c'est automatique. Il est où ton taille-crayon? Il est où? Il est là. Voilà. Donne. Il faut que j'ai passé la pub. C'est marque quoi? Oh, c'est rien, un bic. Alors voilà le taille-crayon marque bic. Turquoise, trop mignon. Pas cher. Allez. Ah mais ça se casse. Oui, ça se casse. Ok. Toi, c'est bon. Il est où le sac de habits? En haut, en haut, en haut. Tiens, tu vas monter ça. Ah ah! Il est avec lui chez Pépé Mamie. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire sans sac. Et la trousse, il a pas une trousse dans sa chambre? Oh, on a oublié ta trousse. T'as oublié de prendre ta trousse. Bon, bah on va commencer avec l'autre. Alors, sa chemise à rabat. Hop. On va être très bien, ça. Il y a déjà des pochettes dedans. On va lui mettre des feuilles simples. Ok, vite classe, on est ok pour monsieur. Oh. Transition, mon délire. De sac. Hein? La chaise pour office de sac. La chaise me servira comme dans sac. Mais mets dans ce sac. Alors, non. Tu mets après tout le monde, c'est plus facile. Tiens, donne-moi le sac. Comme ça, je mets dedans, je monte. Après, c'est plus facile. Bon. Hop. Alors. Anglais. Un grand cahier. Tu te débrouilles toute seule ou t'as besoin de moi? Anglais. On a quelle couleur? On va lui prendre le vert à monsieur l'anglais. Ah non, on va lui prendre le noir. Est-ce que j'ai deux verres? Ouais. Deux verres, deux oranges. On va lui prendre le bleu. Du bleu? Pas le bleu. Le noir, c'est très bien. Il y en a deux noirs. Noir, c'est parfait. Mais il y en a deux? C'est pas grave, c'est super. Mais t'en avais pas 22? Ça, c'est pas mon stylo, ça. Alors, anglais. Alors, anglais,
Ah bah lui, tu vois, il a pas besoin de petit cahier. Donc il a juste besoin de ça. Ses feutres. Alors les feutres, je les ai. Je le jette. Pourquoi je n'ai pas ses feutres? Pourquoi j'ai pas ses feutres? Tu crois que je suis Miss France? Quoi qu'un. Sur le meuble du bureau, là, donne-moi le papier. Au-dessus. Un plastique, feuille de dessin. Ah non, je suis là. Là, je suis là. Ok, c'est pas grave, j'ai écrit. Un porte-vue de 80. Un plastique, les feuilles de dessin. Tube de peinture. C'est bon. Et pourquoi tu me demandes alors? Parce que parfois t'es juste loin. Mais Anne, tout le reste c'est pour maman, mais tout dans le sac. Non, il y a des trucs en plus. Les deux feutres noirs, tu m'as envoyé un feutre noir. Non, non. Oui, j'ai même pas fait sa trousse à cet endroit. Les crayons de papier ouverts, ils sont. Alors, voilà. On en a deux. Ça, c'est la colle. Il est là le dernier feutre noir. Voilà. À côté de ça, deuxième trousse. Comme ça, poubelle. Ouais. En même temps, je vais mettre son stylo 4 couleurs. C'est pour ça que j'ai remis. Hop. De la vie, de feutre, c'est bon. Scotch. Espagnol, un grand cahier. J'avais pris anglais noir. Je vais prendre vert alors en espagnol. Alors, EPS, c'est pareil que toi, français. Le grand classeur. Ah, tu sais ce que j'ai pas? Quoi? Les intercalaires. Des intercalaires. Mais t'as rien acheté ou quoi? En fait, on a acheté tout un stock, mais on a peut-être oublié quelque chose. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu un petit peu voir l'impertinence de ma fille. Faire les affaires de classe avec ses enfants, c'est pas de tout repos. Là, c'est un nouveau classeur pour mon fils parce qu'il m'a cassé les deux précédents et c'est un nouveau système d'ouverture. Il y a juste une languette qu'on tire. Voilà, et je me suis aperçue que j'avais oublié d'acheter ces intercalaires. Enfin bref, je vous remercie. J'espère que votre entrée à vous s'est bien passée. Ici, les jumeaux sont super contents de leur maîtresse. Soi-disant qu'elle est plus gentille que maman. Le grand, bon, voilà. On va passer la grande, ma première année au collège. Ça va, elle est contente. Elle a pu retrouver sa cousine et plusieurs de ses copines dans sa classe. Donc pour elle, il n'y a pas de souci. Le fonctionnement du collège, bah, c'est quand même un petit peu nouveau. La façon de faire des profs, la façon de faire des petits collégiens est bien différente des primaires. Mais bon, elle va s'habituer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.